Bon, c'est parti. Là, je suis rentrée. Donc, j'ai mis ma petite tenue par-dessus mon autre tenue. Comme là, ma tenue du soir pour aller nourrir ma chat. Au moins, ils me reconnaissent avec ça. Vu que tous les soirs, quand je vais les nourrir, je suis habillée comme ça. Hop. Donc là, je mets des croquettes à l'intérieur de mon petit sachet. Hop. Pour ceux qui m'ont demandé, ils ont une gamelle d'eau. En fait, l'épicerie à côté leur met une gamelle d'eau, donc ça c'est génial. Et comme je t'ai dit, j'ai un petit cadeau pour eux ce soir, des petites gâteries donc pour chats. C'est des bonbons en fait pour les chats. Et là, ce soir, je prends pas un sachet, mais deux sachets de petits pâtés donc pour chats. Voilà. Là, je pense qu'on est bien. Et c'est parti, je vais avec mon sac. Ça, je viens de me rendre compte que j'ai oublié la gamelle. Ah, je suis au bout de ma vie. Du coup, bah, soit je vais leur mettre au sol, soit je vais voir s'il y a l'épicerie à côté d'où se trouvent mes chats. Si il a des assiettes en plastique. Putain, je suis deg. Pacha. Le Pacha. Bah oui. C'est ta copine. Bah oui, j'ai de la bouffe pour toi. Ah bah oui. Bah oui. Là, je viens de lui donner les croquettes. Donc là, il avait la dalle. Ce soir, il avait plus la dalle. Voilà. Et puis, je vais lui sortir. En fait, je vais tout mélanger là. Et j'ai mis les petits festins juste à côté. Donc en fait, il mange les trois. Un coup, il mange les croquettes, les petits festins, le pâté. Il kiffe. Bon, j'avais pas d'assiette par contre, mais bon. Elle aussi, vous inquiétez pas, je l'ai nourrie. Donc tout le monde m'a dit que c'était une femelle. Je lui ai tout mis là-bas. Je lui ai mis des croquettes, du pâté. Elle a une gamelle d'eau. Et là, je lui donne les festins. Toi, t'abuses, tu viens d'en manger en fait. Ah oui, il a kiffé les petits festins. Ça, c'est des bonbons normalement. Ils ont kiffé. Vous voulez que je vous dise un truc? À la base, il m'approchait pas ce chat. Il m'approchait pas du tout. Genre, dès qu'il me voyait, il avait peur. Enfin, il a peur de l'être humain. Et maintenant, genre, il reste à côté de moi. Hein. Il me fait des câlins. Hein. Bon, après, je le touche pas hein, parce que ça reste quand même un chat des rues. Je m'en méfie un petit peu. Donc voilà, je le laisse le coller, mais je le touche pas. Mais voilà, il vit sa best life. Donc là, je viens de rentrer. Comme vous avez vu, j'ai nourri mes petits chats du soir. Donc tous les soirs, en fait, ça, c'est mon petit rituel, nourrir les petits chats. Parce que, bon, il n'y a pas de chien, mais en fait, tout simplement, vous savez que je suis en partenariat avec Jaffy. Jaffy, ils suivent mes animaux depuis maintenant peut-être 2 ans en termes d'alimentation. Donc vraiment, tous les animaux de la maison en France, donc que ce soit mes chiens, mes chats, ils ont une alimentation Jaffy. Vraiment, genre, tous les mois, je reçois leur alimentation à la maison. Donc ça c'est cool parce que comme ça on va pas les chercher. En plus c'est lourd, vous savez, les packs d'alimentation. Non, je les reçois à la maison en temps et en heure. Donc ça c'est vraiment cool. Et en fait, vu que bah, je suis en collaboration avec eux, ce que j'ai fait c'est que je leur ai demandé de me livrer à Dubaï mes petits sachets pour mes miaou. Donc les miaou, en fait, tout simplement c'est les chats errants. Vous savez que depuis que je suis à Dubaï, je nourris tous les chats errants dès que j'en vois. J'ai dit voilà, donc pourquoi mes petits bébés à moi à la maison, ils ont une bonne alimentation saine, où je sais ce qu'il y a dedans, où ben ça limite un petit peu les risques de maladie, où ben je me dis c'est pas ceux du supermarché, bon, que j'achète enfin au même prix, hein, Jaffy, ça coûte vraiment pareil que ceux au supermarché, sauf que c'est une qualité premium. Bah pourquoi en fait je nourrirais pas les chats ici avec de la bonne qualité en termes de nourriture? Donc les pauvres, déjà, ils sont dans la rue. Donc si en plus de ça, je peux leur apporter une alimentation saine, équilibrée et où il y a tout dedans, où ils vont pas manquer d'énergie et de force pour vivre dans la rue, ben pourquoi je le ferais pas? Et donc du coup, donc Jaffy m'a envoyé mes petits packs donc pour miaou. Donc ça, c'est pour chat. Avec les petits émincés en sauce que je donne à mes chats. Donc ils adorent. Franchement, ils adorent trop ça. Même mon chat à la maison, il saute dessus. Alors là, les chats dehors, je vous dis, pour eux, c'est du luxe. Et aussi, ils ont envoyé ce pour chien. Donc ça c'est pour chien. Donc on n'a pas mis de nom parce que moi les chiens ici je les appelle pas. Donc du coup j'en ai pas encore croisé des chiens, mais je sais que si j'en vois abandonné ou quoi que ce soit, j'ai le petit paquet. Mais je pense que je vais faire, c'est que je vais le déposer au refuge où j'ai adopté Mickey. Comme ça, bah ils auront le droit d'avoir une petite alimentation vraiment saine et je vais essayer de leur apporter tous les mois. Au moins, bah ils seront bien. Et
Également, pour le refuge des chiens où j'ai pris Mickey, bah, je vais leur amener tout ce qui est petit de friandises pour chiens. Parce que moi, je sais que mes chiens à la maison, ils en raffolent. Vous voyez, c'est plein de petites friandises. Donc ça, c'est les petites dernières friandises, les petites lamelles. Autant vous dire que mes chiens à la maison, ils se régalent avec ça. Et voilà. Et ce soir, vous avez vu, j'ai donné également les petites friandises pour mes petits chats. Donc ça, c'est les petites gâteries, en fait, pour les chats. Et donc, au miaou, ce soir, je leur ai donné ça. Donc en tout cas, sachez que je suis très très fière à chaque fois de collaborer avec Jaffy parce que je sais que c'est de la bonne qualité à mort, que ce soit pour mes animaux, pour les animaux étrangers. Et si vous aussi, vous êtes un petit peu comme moi, des Brigitte Bardot dans l'âme, que vous avez des animaux et que c'est trop vos bébés, si vous pouvez privilégier la nourriture Jaffy, franchement, vous leur ferez un plus grand bien. Et la dune, ils vont kiffer, donc ils vont se dire purée. Mon maître, il déconne pas, il me donne vraiment du luxe. Et en plus de ça, je leur sais trop bien. Parce que chaque alimentation est adaptée à l'animal. Par exemple, moi, j'ai 7 échoulas, parce que Mickey, lui, il a des croquettes diabétiques. Donc, 7 échoulas, ils ont... donc, 7 à son paquet, échoulas à son paquet. Pareil pour Gucci et pour Chanel mes chats. Parce que tout simplement, quand vous allez sur Jaffy pour la première fois, déjà, je vais vous donner un code pour une première commande. Vous avez moins 50% plus des cadeaux. Je vais vous en parler juste après. Mais pour la première fois, en fait, vous enregistrez votre animal. Le nom, le prénom, la date de naissance, le poids, la race, si c'est un... Donc vraiment, ils vous demandent tout sur votre animal pour faire des croquettes sur mesure sur votre animal, pour votre animal, pardon. Donc ça, c'est un truc de malade. Et ça, l'huile de saumon, franchement, bah, si vous commandez avec mon code pour ce mois-ci, vous allez l'avoir en cadeau, que ce soit pour chat ou pour chien. Ça, c'est pour chat et pour chien. Vous en mettez un petit peu, mais vraiment un petit peu. De toute façon, tout est noté dans leurs croquettes. Donc à votre chat ou à votre chien, vous avez vu le pelage de Mickey, ça par contre ça je le mets à Mickey dans ses croquettes. Le pelage, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer son avant après à Mickey, vous allez être choqués. Au niveau du poil, l'huile de saumon, c'est hyper recommandé parce que c'est de l'oméga 3, enfin voilà, ça c'est de l'huile de saumon pure donc pour les animaux, donc ça c'est trop bien. Donc sachez que la promo du moment, c'est pour votre première commande, vous avez moins 50% plus des cadeaux. Je vous mets mon code et les cadeaux que vous avez juste après. Franchement, foncez, si vous aimez vos animaux, c'est comme nos bébés, donc eux aussi ils ont droit un petit peu à une alimentation saine. Donc, petit habit pour aller à la plage. Donc, j'ai mis mon petit gilet long, mon petit pantalon, voilà, qui va avec le gilet et un petit maillot de bain. Donc, voilà, comme je vous ai dit aujourd'hui, on va à une plage spécialement pour femmes. Donc, j'ai trop hâte de vous faire découvrir ça parce que je ne connais pas non plus. Et voilà, donc ça, c'est des habits que j'avais fait faire. Donc, ça, c'est mes modèles, c'est mes créations et je l'avais fait aussi en marron. Et franchement... J'aime trop m'habiller comme ça, c'est trop, trop, trop bien, trop pratique, trop... Je pense que je vais en faire dans d'autres couleurs parce que j'ai vraiment kiffé. Donc bien évidemment, je vais pas vous montrer où il y a des femmes parce que c'est un endroit réservé aux femmes. Donc forcément, c'est des femmes qui ne veulent pas être snappées et tout ça. Mais je vous montre un petit peu l'endroit. Donc je filmerai souvent l'herbe. Donc là, il y a une grande partie pour l'herbe et vous avez une partie donc plage. Donc là, il n'y a personne, donc je le fais. Plage et vous avez aussi une partie piscine, salle de sport, salle de jeu pour les enfants. Regardez comment c'est calme. Donc là, il y a la plage avec des bêtes. C'est calme. Ensuite, vous voyez, là, c'est des bêtes comme ça. On vient de manger, petit morito. Je pense que ça fait du bien, c'est calme. Moi, j'espère que ça va. Moi, pour ma part, ça va. Là, j'étais partie dans une boutique pour voir les déguisements pour Halloween. Pour préparer une belle photo pour Halloween. Je sais pas pourquoi je fais ce zoom là, alors que là, ma peau, ça va pas. Et au final, bah, j'ai acheté des vêtements. Mais rien ce qui concerne Halloween. C'est super, c'est toujours comme ça. Donc voilà, donc, j'ai pas trouvé mon petit déguisement pour Halloween. Si vous avez des idées d'ailleurs de déguisement, franchement je suis preneuse. J'ai pas d'idée là, j'ai pas d'inspi. Bon les filles, je vais vous redonner un code pour Musk Intime.
Voilà, donc ça, c'est les petites lingettes que j'emporte partout. Regardez, le paquet, ne faites pas gaffe, il est dégueulasse, je mets dans tous mes sacs. Lui, il est bientôt terminé, donc je l'emporte partout avec moi. Donc, dans mon sac, tout le temps, même quand je vais à la piscine. Voilà, c'est mes petites lingettes à moi. Tout simplement parce que elles sentent grave bon, elles sentent le musc blanc. Il n'y a pas d'alcool dedans, donc en fait, quand je suis à la piscine pour m'essuyer ou quoi que ce soit, j'utilise que ces lingettes-là, pardon. Et même quand je vais dans des toilettes publiques dehors, je m'essuie qu'avec ces lingettes-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que musc intime, maintenant, vous le savez. À chaque fois que je vous donne un code promo, par contre, je préfère prévenir. Il y en a plein qui me disent, Sarah, il n'y a plus de stock sur le site, tout simplement parce que ça part hyper vite. En fait, c'est les premières arrivées avec le code. Les premières servies, parce qu'après il y a des ruptures de stock et ça part hyper vite. C'est que c'est des produits de dingue. Bientôt vous allez pouvoir les retrouver en pharmacie pour celles qui voudront aller en pharmacie. Lui aussi je l'emporte partout. Regardez, il est dégueulasse avec mes sacs et tout. Il faut que je le nettoie vu que je le mets partout. Il est tout sale. Ils sont bientôt en pharmacie, donc octobre en mois de novembre. Donc dans toutes les pharmacies vous pourrez retrouver les produits Musc Intime. Mais vaut mieux profiter directement sur le site, profiter des produits et surtout avec un code que je vais vous donner. Ça, ce petit truc là qui est dégueulasse, c'est parce que comme je vous dis, je le mets dans tous mes sacs. Ça, c'est le parfum pour l'intimité. Donc ça, pareil, je ne m'en passe pas. C'est un parfum au musc blanc. Donc pareil, il n'y a pas d'alcool hein, parce que c'est tout est fait pour vraiment votre intimité. Il faut savoir que Musc Intime, c'est la marque numéro 1 en France. Donc parce que de marque de produits intimes pour notre intimité, parce que tout simplement, c'est des produits de malade. Et en plus de ça, ils sont musc blanc. Donc genre, c'est innovant parce qu'ils sentent. Non, mais c'est un truc de fou. Là, je le sens d'ici pour vous dire. Regardez la texture. Donc ça, évidemment, c'est un parfum que vous mettez sur vos parties intimes et vous allez sentir trop bon. Ils ont plein de produits sur le site en rupture de stock parce que comme je vous dis, ça va énormément vite. Donc profitez de mon offre. Et en plus de ça, il y a une offre aussi pour les lingettes. Je vous mets juste après le flyer pour l'offre des lingettes. Et vous voyez, moi j'ai pas envie d'en tuer une, mais c'est des petites lingettes comme ça et qui sentent pareil le musc intime. Donc ça, voilà, c'est frais, c'est au coton. C'est 100% coton et musc intime et c'est biodégradable pour ceux qui se demandent. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code, ce sont des produits de dingue. Je vais vous mettre quelques avis que j'avais reçus sur cette marque-là. Maintenant, ça fait peut-être un mois que je l'utilise et c'est devenu mon quotidien. Moi, je m'en lasse plus. Surtout que personnellement, je vous raconte ma vie, mais j'ai une flore vaginale assez sensible. Du coup, je peux utiliser que ça, que des produits de qualité parce que sinon, ça va pas du tout. Et là, pour le coup, c'est un truc de fou. Fraîcheur, ça sent bon, c'est une qualité de dingue et au moins notre intimité, elle est protégée et on sent bon toute la journée. Bon, je vous ai pas montré comment j'étais habillée, donc là je suis à l'anniversaire de Moumoun. J'ai mis une petite combinaison en jean et des petits talons. Voilà, pour être à l'aise. Donc j'aime bien. Ça y est, on est arrivé. Anniversaire de Moumoun. J'ai jamais vu un anniversaire avec une table de 32 personnes. Alors à son mariage, on va. Elle m'a un beau sport, écoutez, elle a des objectifs dans la vie. Voilà.